Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous accueillir sur ce nouvel épisode du vidéoblogging de la chaîne Guitare. On est aujourd'hui le dimanche 13 octobre 2019, c'est le dernier jour du festival Guitare de Puteau, mais on va en tirer le maximum. Vous pouvez apercevoir le conservatoire qui est derrière moi et la soucoupe volante là qui est au-dessus du conservatoire ici. C'est le cinquième étage du conservatoire et c'est là où va avoir lieu à 11h la masterclass de Jean-Michel Cachedan. C'est là où Pascal Vignier a donné sa masterclass hier. Vous avez vu quelques images dans le vlog de hier. Allez, c'est parti, on y va. On va aller prendre un café parce que là, on a les petits yeux du dimanche matin, pré-caféinés. Me voilà dans le magnifique ascenseur du conservatoire avec une vue panoramique. On va monter au cinquième étage pour aller voir Jean-Michel Cachedan qui s'installe pour la masterclass et pendant ce temps-là je sirote mon café. Attention, cinquième étage. Tadam! Voilà, ça va être à 11h ici et toujours la magnifique vue sur la défense. Allez, on va voir ce qui se passe. C'est que quoi ? C'est que même les profs, ils sont en train de tout sur cette place. Du coup, les élèves. Je vous parlais de la soucoupe volante tout à l'heure. Voilà, elle est là, la soucoupe volante. Et je me trouve donc au cinquième étage du conservatoire de Puteau avec la vue magnifique sur la défense. Voilà, et là vous allez apercevoir au bout là-bas en plein soleil la tour Eiffel. Je continue le panoramique et voilà. Il n'y a pas à dire, c'est un bel endroit. Et là le reste de la soucoupe volante où Jean-Michel Cachedan va faire sa masterclass là tout à l'heure, là dans une demi-heure. Jean-Michel Cachedan est en train d'installer son matos de voyage, configuration compacte. Pour la masterclass, ça devrait envoyer du gros son. Et du beau son surtout. Ah, mais tu sais. Voilà, c'est toujours un moment un petit peu particulier avant l'ouverture du salon. C'est encore à peu près désert. Vous pouvez peut-être apercevoir derrière moi Philippe qui fait des plans de coupe pour le montage vidéo des concerts de démo. Mais c'est presque le moment que je préfère parce que j'ai toutes les guitares pour moi tout seul ici. Voilà, voilà. Par exemple, le travail d'Antoine Jourdan de l'atelier Guitare et Compagnie qui fait des superbes guitares acoustiques. Que j'ai eu le plaisir d'interviewer, qui a travaillé plusieurs années chez Maurice Dupont, qui a fabriqué quelque chose comme 200 guitares, et maintenant qui lance ses guitares folk, classique et ukulélé. JMT résonateur, donc Jean-Marc Tison, qui est sur le créneau super ciblé des guitares à résonateur, que j'ai eu le plaisir d'interviewer hier, Jean-Marc. Regardez comme c'est beau. Magnifique, c'est beau de devant et de derrière. Alors dans la série L'arroseur arrosé, je vous présente Philippe Camus qui a le bon goût de se mettre avec une très belle chemise à fleurs. Voilà, on fait une baston de caméra. Bon, la mienne est beaucoup plus petite que la tienne, mais bon, c'est pas la taille qui compte, hein. Ouais. Merci Philippe pour ce beau moment de poésie. Et donc, c'était pendant ce moment de poésie, les guitares Baudry. Voilà. Qui sont très belles. Elle est superbe. Et c'est ça, hein. C'est un peu. C'est déplié. C'est très bien. Non, non, je vais essayer d'aller voir. Avant d'aller ici. C'est très bien. Les amplis JSS qui sonnent bien, qui sont très compacts. Les guitares en carbone. Little Big Amp. Voilà.
Voilà, Jean-Michel Cagelan, on est en train de commencer sa masterclass, on va aller jeter un coup d'œil tout de suite là-dessus. C'était de toute façon, Peter Green a joué avec John Mayall, Clapton a joué avec John Mayall, c'était un peu la. Mick Taylor aussi, c'était un peu la même famille. Donc forcément, dès qu'il y en avait un qui avait la pédale, tout le monde achetait la même pédale. Et en plus, c'était les Anglais qui étaient vraiment. Qui tenaient vraiment le haut du pavé en matière d'innovation de ces époques, en fait, très très riches du British Blues. Et. Voilà, je lis Les Paul. Alors, j'ai celle-là, donc celles qui sont autour, j'ai regardé sur eBay, voilà. Donc, vous voyez, 5 486 $. Comment ? Ouais, ouais. Et après, alors bon, je ne sais pas trop si ça régale ou pas, mais bon, moi j'en avais vu quand même à 2002-2003, c'était pour moi le prix plafond. Et là, je suis tombé là-dessus. Bon, est-ce que le gars, parce que moi, à mon avis, il sait qu'il ne la vendra pas. Bon, je ne sais pas. Bon, c'est une très bonne pédale, hein, mais ça reste quand même un bout de ferraille. Alors, à l'intérieur, en fait, pour être sûr qu'il ne se fasse pas copier, et pourtant il s'est fait copier. En fait, il a badigeonné tous les composants de cire, enfin de résine plutôt, en noir, ce qui fait qu'en fait, on ne sait pas s'il faut vraiment y aller avec le scalpel. Et puis, voilà. Il y a des gens qui l'ont fait, et c'est vrai qu'il y a de très bons clones. Mais bon, moi j'ai préféré acheter quand même celle qui a été fabriquée par le mec qui a fait celle-là. Lui-même disait qu'il n'entendait pas la différence, donc je veux bien le croire, parce que c'est un mec assez intègre. À lire cette interview. We'll be right back.
Alors, à Puteaux, il y a du beau monde. Il y a Sébastien Chouard qui a joué ici hier soir. Comment c'était Sébastien Chouard, le concert? Il paraît que c'était très bien. C'est une information ou une intox? Non, c'est une intox. Ouais. C'est une intox. Pas tout froid, il n'y a que des intox dans la presse, ouais. C'est comme ça. Ce n'est que un monde d'intox. Donc ah non, mais voilà. À partir du moment où c'est sur Internet, c'est vrai. Moi, je pensais que c'était comme ça. Ah non, 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 bah non. Ouais. Bah non, bah non, ouais. Bah non, bah, crois-moi, tout ce qu'on entend sur Internet. Non, non, non. Bon, les projets de Sébastien Chouard, là, c'est quoi en ce moment? Dis-nous, fais-nous rêver. Non, bah non, enfin si, ouais, des trucs. Ouais, ouais des trucs. Ouais, des trucs dont on ne veut pas parler. Mais, si. Qu'est-ce que je fais là? Là, je refais pas mal de télé, voilà. D'accord. Je suis un peu en mode télé. Très bien. Quand est-ce que tu viens au showroom de la chaîne Guitare pour que je te rencontre Oui, effectivement, hein, c'est vrai que ça, l'invitation commence à dater. Bah oui, absolument, parce que j'ai regardé ce qu'on a la dernière interview qu'on avait fait, c'était à Issoudun il y a 2-3 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc là, j'ai dormi pendant 3 ans. Ah bah, ça, j'ai pas pu. J'étais occupé. D'accord, t'as la piscine et tout ça. Ok. Et j'ai entendu parler que peut-être tu allais rejouer ce soir, t'as fait le bœuf avec Jessie. Ah oui, oui, avec Jessie, ouais. Ouais, c'est bon, avec Jessie, bien sûr. Bon, c'est bien, c'est copine. Et ben merci, puis profite un peu du salon parce qu'il y a des belles choses. Hein. Ok. Mais oui. Ça marche. Alors il y a de la visite incroyable à Puteaux. On a Mike Lewis qui vient dire bonjour à JMT Résonateur, à Jean-Marc Tison. C'est bien ça. Royal. Honoré. Bon, ça discute chiffon visiblement là. Ouais, très bien. Comme vous pouvez voir derrière moi, il est dimanche, un peu plus de 17h, on est en train de fermer. Voilà, c'est la fin de ce troisième salon, salon débuté du festival de guitare de Puteaux. Et là, on va terminer en beauté avec le festival de Jesse Lee and the Alchemist. Ouh, comme ça fait bizarre de voir la salle toute vide. C'est tout vide, où est-ce qu'ils sont tous partis? Revenez! Voilà à quoi ressemblent les salles presque complètement vides. Oh, c'est tout triste! Hold up.
to work on them. But I want to be true. I just want to make love to you. Love to you. I just want to...